Bonjour, je suis Miguel Cazin, je suis le nouveau propriétaire du moulin de Follet à Fougeray dans le Baugeois. Avant d'acheter ce moulin le 1er septembre de cette année, j'étais responsable organisationnel et maître d'hôtel pour un traiteur pendant quelques années. Le moulin de Follet est un lieu de réception pour événements professionnels et privés. Nous travaillons beaucoup pour les mariages. La salle de réception fait 135 mètres carrés au sol pour 110 personnes assises. Nous avons également 3 chambres d'hôtes, un gîte et j'étoffe l'offre du moulin par une activité traiteur, notamment tout ce qui va être cocktail apéritif, cocktail déjeunatoire et dînatoire, buffet et brunch au moulin et également en extérieur pour les cocktails privés et professionnels. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir pu acheter ce moulin. Ce qui me plaît le plus aujourd'hui dans mon travail, c'est d'être mon propre patron et de récolter le fruit de mon travail. J'ai sollicité Initiative Anjou pour m'aider dans ce projet parce qu'on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. J'ai suivi des formations, j'ai également été aidé financièrement par des prêts d'honneur. Donc je remercie Initiative Anjou de m'avoir accompagné depuis le début jusqu'à l'achat le 1er septembre. Le secret pour réussir une entreprise comme celle-ci, je pense, c'est d'être bien accompagné. Nous travaillons avec beaucoup de personnes et c'est surtout vouloir donner aux gens l'envie de venir au moulin faire la fête pour la salle de réception, venir se reposer dans nos chambres d'hôtes. Et j'ai également beaucoup de plaisir à cuisiner pour les gens. Mon aventure a débuté en février. Nous sommes partis dans les Monts du Lyonnais dans une chambre d'hôte, dans un manoir, où j'ai pu voir que dans ce manoir, il y avait également une salle pour des mariages. Et c'est ce qui m'a donné l'envie, en revenant, d'ouvrir mon propre domaine. Et j'ai contacté un comptable qui nous a mis en relation avec les cédants. Je pense que c'était le bon moment pour nous. C'était le bon moment pour eux aussi, parce que nous, on était désireux d'acheter un domaine et les cédants étaient désireux de vendre. Voilà, pourquoi pas avant et pourquoi pas après, c'était le bon moment pour nous.